Salut, bienvenue sur votre chaîne Annie Boitou chez vous. Je suis tellement ravie que vous puissiez m'accueillir dans vos demeures et partager ces quelques minutes ensemble. Aujourd'hui, j'ai un excellent livre à vous partager. C'est un livre sur le développement personnel. Oui, c'est un mot à la mode, on entend par-ci, par-là. Mais là, aujourd'hui, ce que je tiens dans mes mains, c'est un must. Et ça vaut vraiment la peine d'être lu. Et c'est pour ça, comme je vous aime énormément, je ne pouvais que partager cela avec vous, vous savez. Parce que si ce n'est pas avec vous que je partage les livres que j'aime, à qui je veux partager? C'est pour ça que je vais vraiment vous le partager. Donc aujourd'hui, c'est quel livre? Il s'agit des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Waouh! C'est pas génial ça? Je crois que nous tous, on rêve, on voudrait que tous nos projets puissent être réalisés. Ça peut être projet de mariage, projet d'achat, projet d'entreprise, projet de maigrir. Je ne sais pas quel projet vous voulez réaliser, mais ici, l'auteur nous donne les clés. Et cet auteur, c'est quelqu'un qui est rempli d'une sagesse. Waouh! Moi, quand j'ai lu les livres, je me suis dit, mais comment un être humain qui est comme moi peut être aussi sage et avoir des révélations extraordinaires? Donc c'est possible. Donc ici l'auteur, pendant des années, il a regardé, il a étudié sur les succès, il a étudié pour voir qu'est-ce qui fait que l'un réussit et l'autre ne réussit pas. Et là, il parle de ses habitudes. Vous voyez, j'ai fait une vidéo, vous pouvez toujours aller voir, où on parle de Dubaï, comment Dubaï est devenu cet Eldorado, ce pays que tout le monde veut aller. Et nous savons tous que c'était un désert. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont dit, mais on veut que ces pays marchent, on va travailler. Donc, le succès, la réussite, ce n'est pas un hasard, il y a un mécanisme. Et ici, l'auteur nous donne cette habitude que je veux partager avec vous. Et surtout, moi, je vais vous inviter à vous procurer les livres et les lire. Parce que ici, l'auteur, il explique qu'il y a cette habitude. Mais c'est divisé en 3 parties des livres. La première partie, il parle de la victoire privée. Donc, avant de réussir, on doit réussir sur nous. Et quand on réussit notre victoire privée, il y a la victoire publique et puis il y a les derniers points. Moi, ce que je vais vite vous présenter parce que c'est quelque chose que vous devez lire et il y a des exercices aussi pratiques. Quand il parle par exemple de la victoire privée, il dit dans la victoire privée, on doit être proactif, savoir où on va et prioriser. Premièrement, l'auteur, il dit qu'on doit se baser sur des valeurs vraies. Si tu te bases par exemple sur l'argent, ok, l'argent c'est génial parce que ça va te permettre d'aller à Dubaï, à faire des voyages et tout ça, mais ce n'est pas une valeur, ce n'est pas quelque chose qui va faire, comment dire, vous voyez quand on parle de quelqu'un que tu cherches la paix, tu cherches l'amour, la fidélité, la patience, la persévérance, la sagesse, vous voyez, ce sont des valeurs comme ça qu'on doit fonder nos objectifs. Si ton objectif, c'est de dire, oui, voilà, je vais épouser un milliardaire, et puis tu as les milliardaires, mais je ne sais pas, mais à un certain moment, il y aura un vide. On doit vraiment être basé sur des valeurs durables. Durables, et c'est déjà un premier préalable. Dans la victoire privée, il dit qu'on doit être proactif. Être proactif, ça veut dire quoi? Nous, on habite en Belgique, par exemple, et en Belgique, il pleut, le ciel est gris. Tu te réveilles le matin, tu ouvres ta fenêtre, oh, le ciel est gris, il pleut, oh, malheur, je vais passer une mauvaise journée. Et ça, c'est pas être proactif, parce que quelqu'un qui est proactif, il va se concentrer sur des choses qui peuvent changer. Le fait qu'il pleut dehors, qu'il y a l'orage, est-ce que moi et toi, on a la capacité de stopper ça? Non. Alors, pourquoi s'attarder sur ça? Ou alors, l'erreur que souvent les femmes, elles font, je ne sais pas pourquoi les femmes, s'il y a une femme qui est là, si c'est vrai ce que j'ai dit, tu confirmes. Tu vas tomber sur un mec,
tu sais qu'il est bad boy. Mais ce n'est pas bad boy Nokia 3250. Les connaisseurs vont savoir de quoi il s'agit. Mais c'est bad boy Pro Max plus plus plus. Et tu te dis, ah non, ça va, je vais le changer. Stop, on n'échange personne. On n'échange personne. Voilà, il n'y a que Dieu qui a cette capacité-là. On peut donner des conseils, on peut changer un style vestimentaire, mais les caractères sur quoi qu'ils se basent, ça c'est autre chose. Vous voyez, donc quand on est proactif, ça veut dire que notre humeur ne dépend pas des situations. Si ton mari ou ta femme ou ta mère amie t'a pas dit bonjour, tu ne vas pas pleurer toute la semaine. On ne m'a pas dit bonjour, on ne m'a pas vu. Tu te concentres sur toi. Par exemple, si ton challenge est d'arriver à temps, tu es toujours en retard. Ben là, ça te concerne toi. Tu dois changer ces mauvaises habitudes. Ça veut dire que tu dois peut-être mettre ton réveil plus tôt, tu dois préparer tes affaires la veille. Ça, tu peux changer. Donc, on se concentre sur ce qu'on peut changer et on se concentre sur nous d'abord pour pouvoir aller vers les autres. Le deuxième point, il dit, on doit savoir où on va. Parce qu'on dit qu'un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui va tourner en rond. Je dois savoir qu'est-ce que je fais. Beaucoup de gens, ils se réveillent le matin, métro, boulot, dodo, leur vie est monotone parce qu'ils n'ont pas d'objectif, ils ne savent pas où ils vont. Et l'auteur donne une clé extraordinaire pour savoir quels sont tes objectifs, où tu vas aller. Il dit, imagine les jours de ton décès à l'église, aux funérailles. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Et quand tu fais cet exercice vraiment, ça va te permettre de te focaliser sur des véritables valeurs, sur des véritables objectifs. Et ensuite, il faut prioriser. Ça veut dire que si déjà tu es quelqu'un de proactif, donc ce n'est pas les événements extérieurs qui te déterminent. Tu sais où tu veux aller. Et le troisième point, maintenant, il faut maintenant mettre des actions pour atteindre ton objectif. Ça veut dire que tous les jours, je me réveille et je sais que voilà, j'ai tel objectif. J'ai l'objectif d'écrire un livre, j'ai l'objectif d'acheter une maison, j'ai l'objectif que d'avoir plus d'abonnés. En fait, tu dois maintenant mettre tous les jours les actions. Et dans cet exercice de prioriser les choses, il y a un élément important, la délégation. Ça veut dire quoi? On ne peut pas tout faire. Moi, par exemple, mon exemple, je suis maman, je travaille, mais je ne peux pas toujours être là derrière, nettoyer la maison parce que voilà, et le travail, et mes activités au sein de ma communauté religieuse, ma famille. Je ne peux pas être partout, mais si je peux avoir une femme de ménage qui peut venir m'aider, ça me permet d'avoir plus de temps avec mes proches. Vous voyez, par exemple, si je vais faire des tresses, une jolie coiffure, ben, je ne peux pas les faire moi-même. Je dois appeler quelqu'un pour venir faire, vous voyez. Donc, dans la délégation, il y a un élément important, c'est d'avoir de bonnes relations avec les personnes. Il parle de nourrir le compte affectif. Donc, si tu n'as pas de bonnes relations, ben, hey, mon ami, il n'y a pas de délégation. Tu ne vas pas avoir la successful, tu ne vas pas réussir parce que c'est important de déléguer. Et ensuite, quand on réussit la victoire intérieure, notre victoire privée, il y a la victoire publique. Dans la victoire publique, il parle par exemple que, voilà, quand on travaille, c'est gagnant-gagnant. Vous voyez, en Afrique, il y a beaucoup de coups d'État, mais un coup d'État, ce n'est pas gagnant-gagnant, c'est gagnant-perdant, ça crée la frustration. Et ensuite, il faut écouter les gens, mais avec empathie. Ça veut dire que tu n'écoutes pas pour donner ta réponse, mais comprendre ce que l'autre vit. Et ensuite, la synergie, travailler ensemble. Et le septième élément qui dit, c'est qu'il faut toujours continuer à s'instruire. Moi, ce que je vous dis vraiment, je vous invite à lire ces livres, à vous les procurer, à vous abonner et à aimer pour m'encourager. Et qu'est-ce que je vous dis alors?
Bonne lecture. Peace and love.